Cet acte de bienfaisance a signalé dans ce journal Blue Energy, un comité d'un hôtel de la place s'occupant des œuvres sociales apporte une assistance à la formation, à la fondation d'amour pour la formation des enfants en détresse. C'est un don des vivres et de matériel didactique. Aman Isaac Azina. C'est une joie totale qui anime ces enfants en détresse à l'orphelinat Fondation d'amour pour la formation des enfants en détresse, FAFED, un centre destiné à accueillir les enfants dont l'âge varie de 0 à 18 ans et qui sont dans des situations de vulnérabilité sévère. À travers ce don, le comité Hilton Blue Energy voudrait apporter son soutien dans l'éducation de ces enfants, a laissé entendre le directeur de cet établissement hôtelier, Vincent Bergman. C'est donc composé de vivres et de non-vivres permettra d'atténuer un tant soit peu la situation sociale de ces enfants. Un geste salué par le fondateur du centre FAFET, Pasteur Bolongar Domtiné, qui a profité de l'occasion pour lancer un appel à l'endroit de bonne volonté à soutenir son centre qui, selon lui, contribue à la formation des jeunes Tchadiens. Créé en novembre 1994, la FAFED est une organisation chrétienne humanitaire qui s'occupe des orphelins, des enfants de la rue, bref, des enfants en détresse. Elle compte de nos jours plus de 80 enfants. Dans le reste de l'actualité, l'association Tchad Avant Tout, l'organisation a lancé officiellement hier ses activités. La cérémonie a vu la présence de plusieurs personnalités. Mohamed Souleyman. L'association Tchad Avant Tout, c'est la nouvelle tribune regroupant des femmes et des hommes de toutes les couches sociales. Une association a plusieurs ambitions, à savoir promouvoir la culture de la paix, de l'équité et la tolérance. À travers cette organisation, les membres entendent fédérer les efforts des forces vives pour bâtir une nation unie, forte et prospère. Pour le président Moussa Ali Yassine, l'association Tchad Avant Tout est le creuset de la culture tchadienne. C'est pourquoi il appelle la population à œuvrer dans l'intérêt du Tchad pour un développement harmonieux. Créée en 2015, l'association Tchad Avant Tout a pour objectif principal la lutte contre le régionalisme et les clanismes. L'association pour la valorisation de l'amitié a organisé également une campagne de sensibilisation au village Ndjamena Koura. Plusieurs sujets ont été abordés par les intervenants. Abamey Moustapha. C'est une mobilisation digne de la tradition Kanouri. Elle a regroupé le jeune, les femmes et les enfants de cette communauté. À travers ces retrouvailles, l'on souhaite sensibiliser les parents sur la scolarisation des filles et la lutte contre la nébuleuse secte Boko Haram. La cible de cette campagne est le milieu de la jeunesse Kanouri. Les différents responsables du village Ndjamena Koura se sont reliés pour expliquer l'importance de cette rencontre avant d'énumérer les causes et les conséquences de l'extrémisme violent qui sème le désarroi dans la société. Le président du comité de vigilance de Ndjamena Koura, Abakar Goni, a salué le courage et la ténacité des jeunes du village qui veillent jour et nuit sur la sécurité de biens et de personnes. À cette occasion, il invite le jeune à préserver la quiétude et la cohabitation pacifique gage du développement. Le président de l'association culturelle Abakar Sintal Mustapha lance un appel à la population. Nous appelons la population de Ndjamena Koura de s'élever comme un seul homme, d'ériger une barricade contre, bien sûr, ces opportunistes ou disons plus ces illuminés de tout Akabi qui profitent malheureusement de la naïveté de certaines personnes pour poser des actes ignobles. Au-delà de l'action programmée, le membre de l'association culturelle pour la revalorisation et de l'amitié a pour vocation de valoriser les échanges avec les jeunes des autres régions du pays.